Vous avez la possibilité des plats traditionnels, donc de cuisine corse. Après, nos plats qui sont véganes ou végétariens. Sur la même carte, un sauté de veau et un hamburger végan sans aucun ingrédient animal. C'est le concept de ce restaurant ajaccien. On a une carte qui est relativement réduite puisqu'on fait tout nous-mêmes. Et après, on ne va pas opposer ceux qui mangent de la viande à ceux qui n'en mangent pas. À la même table, ils vont pouvoir partager et revendiquer et déguster leurs choix alimentaires. Et de nombreux clients, véganes convaincus ou omnivores curieux, se laisseraient séduire par cette assiette véggie. Salade de lentilles, quinoa, chili sans viande, crème de soja et poivron. La recette évolue selon les saisons, mais le prix est fixe, 14 euros. Nous, notre travail, c'est justement d'ajuster et d'associer les produits de façon à ce que le surcoût sur tel produit soit limité par un produit qui va être un petit peu plus abordable. Et de travailler avec une certaine fidélité avec nos producteurs pour aussi, je veux dire, les rassurer et leur permettre, je veux dire, de faire des prix qui soient plus adaptés à notre travail. Ici, les légumes de saison sont achetés auprès de producteurs locaux. Dans cet autre établissement, on essaye aussi de privilégier les circuits courts. À la carte, des jus de fruits et de légumes, des laits végétaux et des plats à emporter vegan et sans gluten, comme ces falafels allégés. D'autres recettes sont souvent crues. Comme vous voyez, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de hot. Tout est fait le maximum cru. On essaie de tourner notre nourriture vraiment sur du vivant, le plus vivant possible. Mais la cuisine crue est végane et friande d'ingrédients exotiques qui viennent directement d'Asie ou sont achetés sur le continent dans des centrales d'achat. Alors pour ne pas vendre ses recettes à prix d'or, le restaurateur doit parfois réduire ses marges. Ici, vous pourrez trouver donc un plat allant de 7,90€ à 12,90€. C'est donc relativement abordable, sachant qu'on n'a vraiment que des produits issus de l'agriculture biologique. Non transformé, très nourrissant. Et pour 1 euro, ces shots de gingembre ou de curcuma pressés à froid seraient beaucoup plus énergisants qu'un café.